ta supposé gen séance, c'est pour te former bureau. Et article 14 règlement intérieur a dit que faut chaque mardi, deuxième mardi de janvier, faut gagner un nouveau bureau. Parce que le bureau qui est lui, il était là pour un an. Et le bureau lui-même était manqué. Parce que c'est cinq membres qui gagnent. C'est même avec le sénateur Jean-Marie Salomon qui était arrêté dans le bureau. Le fait que qu'on y a là, il n'y a pas de quorum. Administrativement, le Sénat lui-même est complètement bloqué. Parce que madame finit comme président. Aujourd'hui, en soir, madame finit comme président du Sénat. Supposé qu'il y ait un nouveau bureau. Mais on connaît. Et c'est des groupes politiques qui ont encore fini d'entendre. Et là, au final, il y a comme ça pour faire. Mais jusqu'à présent, là. Bon, normalement, c'est un sens supposé reprendre. Entre demain, jeudi, vendredi, bon, c'est qu'il y a des concertations qui sont faites entre les sénateurs. Qui est-ce qui a expliqué cette sénateur ça n'est pas présenté dans celle-là? Et donc, je ne sais pas, c'est 6 sénateurs qui ne sont pas présentés. C'est 20 sénateurs qui gagnent, c'est 6 qui ne sont pas présents. Sauf que ce semaine n'a pas fini pour ces séance-là et pour nous faire ça. Je ne sais pas, parce que c'est eux qui connaissent à travers l'entente qu'ils sont capables de trouver entre eux, capables de déterminer est-ce qu'ils sont venus, est-ce qu'ils ne sont pas venus. Dans la formation bio, ça, vous candidat, président? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat parce que il y a des consensus. Il y a des sénateurs qui m'ont donné des consensus. Vous avez des candidats, ça a passé. Mais quand même, dans nos esprits d'ouverture, que nous faisons des consensus. Et si des consensus. Ça, il a persisté. S'il persiste, il t'a fait appel à moi encore, n'a toujours qu'à venir. Oui, nous prêts, parce que nous toujours prêts à responsabilité. Non? Parce que nous ne sommes pas conflictuels. Mm-hmm. Nous toujours faisons le pont entre les groupes. Et pendant tout le temps, ça m'a présidé et Sénat, parce que je prends responsabilité. Et nous toujours faisons bon travail. Parce que c'est l'esprit de confiance, ça. C'est un climat de confiance qui fait que nous faisons confiance. L'ensemble des sénateurs qui sont toujours prêts pour collaborer avec moi. Jusqu'à présent, problème dans Chita au niveau groupe et groupe politique qui fait pour que vous ayez. Exactement. C'est groupe politique. Il y a fin d'entendre immédiatement au fin d'entendre. Je pense qu'on a une solution parce qu'il faut une solution qui trouve. Parce que je dis à la Sénat complètement bloqué. Bloqué parce que pas gain aucun acte administratif qui a posé. Et le bureau d'âge là, lui-même, il a pour la responsabilité d'organiser les séances. C'est tout. Seulement là, il y a seulement pour organiser séance pour élection. Élection seulement, il y a une responsabilité pour faire. Après, ça n'a pas rien encore, le café. Entre temps, mandat va continuer. Et mandat. Mandat pris la tête et le bureau. Non, moi, je n'ai pas de responsabilité. Ça, madame finit à soir. Sur le plan administratif, tout, que je n'ai pas de faire. Ça, madame. Merci. Tu es supposé qu'on séance. Là pour permettre que tu aies une élection bureau, mais tout sénateur va arriver à venir et que moi-même, comme un nouveau sénateur, je fais le devoir que je me présente et je prends une décision bureau à point. Mais problème ça, qui va estimer que le sorti? Bon, je ne vais pas m'accuser personne, donc je vais là pour que je travaille avec le sénateur, voter et que pour me défendre l'intérêt. Donc, je dis n'importe quelle séance après comment c'est fait. Non, c'est la bureau mieux et que mon voyez là, yo pas voyez me jouer, yo voyez dit venir chita travailler. Bon, tu as une séance comme président assemblée a demandé pour tout sénateur t'es présent. Donc moi présent et que séance pas faite, m'a retourner la caille moi demain matin venir travailler dans le parlement depuis 9h du matin. Donc m'attend aussitôt que gain élection et que m'a venir m'a voter et m'a travailler sénateur. Ça rentre dans un jeu classique qui gagne dans le Parlement haïtien, plus particulièrement dans le Sénat République. Là. C'est vrai qu'il y a du moins 4 groupes distincts au niveau du Sénat avec des affinités politiques propres et avec un souci tout pour que pas un seul là-dedans qui gagne a envie de blocage. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons une élection bureau au niveau du Sénat. Et dans toute élection bureau, il y a des sénateurs qui sont intéressés à différents postes électifs. Et comme sénateurs sont intéressés à des postes électifs différents de l'autre, les conditions doivent être réunies pour un bloc ou bien pour des candidats dans un poste électif. Il y a des conditions pour qu'on réunit pour l'autre bloc là. Pour aujourd'hui, ils ont choisi bouder séance là pour être capable de participer. Ils étaient seulement 5 qui partent présents là parce que l'appel nominal là-bas a la présence de 15 sénateurs. Et nous sommes à 20.
et pratiquement gain 5 sénateurs qui choisit pour créer conditions blocage là pour jodi. Mais cela ne va pas durer. Très certainement d'ici demain, les sénateurs ont venu et puis lobbying a commencé à faire, dialogue, entretien pour parler, etc. comme un candidat en campagne. Selon vous-même, c'est un entente politique qui peut rejoindre au niveau groupe bio qui fait Pagasse aujourd'hui. Certainement. Toutes conditions beaucoup réunies. Toutes conditions beaucoup réunies, effectivement. Peut-être que ça parce que dépendamment de tel ou tel profil de candidat à la présidence et, ou bien à la question, les nécessités, you know l'autre. Alors, s'il y a un type de candidat, un profil de candidat X à la présidence, il faut qu'il y ait un profil de candidat Y à la question. Et ce sont les deux postes, je dirais, les plus importants au niveau du Sénat de la République parce que ce sont à la fois les postes politiques et les postes et administratifs. Et la présidence et la question. Alors, je dis à du train où ça va, moi estime que faut rapidement nous lever voile ça et mettre un bureau campé pour que, un, le Sénat continue à refonctionner normalement et, deuxièmement, pour qu'il n'y ait pas de blocage véritablement au niveau du Sénat de la République pour que le 7 février ne soit pas aussi hypothéqué. Objet conférence là, c'est pour nous dénoncer avec la dernière rigueur de cas d'exaction et de crimes odieux qu'a fait depuis un certain temps contre des citoyens, contre des transporteurs qui a victime de agents douaniers à travers plusieurs régions dans le pays, mais surtout au niveau du plateau central. Cas qui fait objet de conférence 9 décembre qui sont passés là, gagné un cas très grave et gravissime qui même gagné mort d'homme côté des agents douaniers. En dépit du fait que ils ont intercepté un camion yoté présumé qui portait contrebande, ce qui est normal puisque c'est job yo pour que yo surveiller et empêcher contrebande faite dans le pays, mais la loi n'est pas autorisée aucun agent douanier, d'ailleurs, il n'y a pas policier, mais il se trouve que depuis un certain temps, agents douaniers constitués comme de milices armées, en dépit du fait qu'ils ont intercepté parfois de machines présumées qui portaient contrebande, mais ils n'ont pas hésité à aucun moment pour maltraiter Mounsayo et même tirer à hauteur d'homme. Et c'est ça qui passait le 9 décembre. Côté d'un moment, on a parlé là, un citoyen, yeux le pété, et gagné une qui mourit. Donc, nous autres, nous recevons dans le Parlement, et c'est ça qui expliquait présence collègue nous, Bélange, qui a présidé commission Fontalier au niveau de la Chambre des députés, la présence de notre collègue Guéra Guerchon, qui est député de Beladec, qui gagne droite, qui sont en zone frontalière, et l'honorable député Lionel de la Scaobas qui sont en zone frontalière et qui très souvent, et moi-même à Belle Les Collines comme député de Mirebalais, puisque très souvent, Kassayo y arrivait dans le département du centre et supposé dans le département sud-est. Donc, voilà pour objet conférence. Non. Maintenant, il y a des recommandations, des initiatives qu'a prend formation par rapport à grave incident ça qui arrivait 9 décembre qui sont passé là, côté yeux ont propriétaire de machine les pété et gagné un monde qui mourit parce que agent douanier non seulement yo intercepté machine non mais yo tiré à hauteur d'homme côté yo tué monde non occasion. Nous invité ministre justice là, ministre finance là parce que directeur douane là il va gagner rentrer dans parlement. Donc, nous promettons ça. Très vite, sous peu, nous allons formuler en demande d'invitation pour que ministre, et principalement ministre et finance, pour l'accompagner, directeur douane, pour venir nous plus d'explications. Parce que la situation, ça, vraiment, nous trouvons dans une situation, je vous dis, à côté que trop on a victime de questions agents douaniers. Parce que nous avons comporté comme on l'a mis. Donc, je ne veux pas dire, nous ne sommes pas capables de continuer à tolérer ça. Il faut que douane
li gagner en fait ça ou ta carrelé on responsabilité pour que c'est marchandise mais c'est pas monde pour que y a tiré pour que y a maltraité des bagages comme ça. Donc on promet nous ça collègues, on promet population ça, bon ben tout le monde qui est dans zone frontalière surtout à Belader ça et que nous va inviter ministre finance, ministre justice de façon à ce que pour nous capable et non seulement renseigner population mais de façon à ce que pour nous capable permettre que famille moun sa yo joigne justice et pour que yo traduit normalement et agent criminels yo qui comportent yo comme des criminels capé et fait crime sur monde qui fait exaction sur une série de monde des citoyens paisibles parce que vous vous imaginez que moun nan non machine privée il pas gagné contrebande avec lui il pas gagné marchandise avec lui et ou rivé et fourré fusil dans gel pété gel. Donc encore une fois nous promettons ça que souper la semaine prochaine nous allons inviter ministre justice avec ministre finance pour accompagner surtout directeur douane pour venir bailler plus explication différentes communes sœurs réunies ensemble pour nous cracher nous contraction qui fait dans la commune Belader, Lascaubas, Mionbalet. Et chaque fois, action ça y arrive, trois communes ça y paye conséquences et conséquences là. Quelle que soit intervention que la police a fait, si moi a fait, victime c'est des innocents. Effectivement, moun ça y a pas jamais une réparation. Et il y a quelques mois depuis ça a passé Mionbalet. Dans la commune Mionbalet. Lascaubas te paye conséquences et Belader te paye conséquences. C'est ça que fait nous demander au ministère des Finances, au ministère de la Justice, pour ouais, dans quelle mesure, non seulement vous avez pensé avec réparation, mais pour que ça ne pas continuer encore. Parce que normalement, mandant nous aux victimes trop, mandant nous dit que vous pas voté moun encore. Chaque fois que vous votez moun, vous les assoa multipliés sous deux. Vous êtes victime plus. Et c'est ça qui fait objet de présence là, pour nous dire non à agent de brigandage ça yo. Malgré ces deux côtés qui bannent nos moyens de financement, c'est DGI avec la douane. Mais cependant, je vous ai formé avec fond, il faut que vous respectez, il n'y a pas qu'à agir à l'instigation d'instinct. Je suppose que l'action ça qui fait là, il est de bas instinct. Il est intolérable. Nous ne pouvons pas tolérer que approcher les yeux de monde, à faire n'importe quelle action, à tuer les gens n'importe comment. C'est la raison ça fait présence nous là pour nous dire non avec action ça et puis nous demander réparation pour victimes.